c'est au départ une histoire entre deux copines dans le coin d'une cuisine, un soir, un samedi soir, où toutes les deux nous sommes motardes, et puis on a quand même l'esprit féminin et féministe. On s'est dit, mais si on faisait quelque chose pour la journée de la femme en moto? Partenariat avec l'ISG, c'est vraiment, voilà, j'ai dit le mot, c'est un partenariat, c'est de surfer sur nos visibilités aux unes et aux autres, et puis aussi pour envoyer un message positif, puisque souvent c'est ces femmes qui sont victimes de violences. Le problème, c'est dans la reconstruction. Et le message, c'est de leur dire, mais voilà, sur une moto, vous pouvez y aller, c'est la liberté. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un côté festif et puis aussi un côté effectivement revendicatif. Voilà. Journée de la femme. Aujourd'hui, on a 12 villes qui organisent ce gros défilé aujourd'hui. On attend presque 10 000 motardes et motards, car c'est ouvert aussi aux hommes, bien sûr, et d'ailleurs, il y en a beaucoup aujourd'hui. Si tu avais envie de diffuser un message, ce serait lequel? Moi, ça a toujours été le même, c'est qu'on peut conduire une grosse machine d'hommes en étant une femme et habillée comme une femme. Si tu avais un message, par exemple, aujourd'hui que tu voulais diffuser, ce serait lequel? Aidez-nous à organiser cet événement. Aidez-nous soit en participant, en vous portant bénévole comme on le fait, ou financièrement, par exemple, en adhérant, ou en achetant un t-shirt, ou voilà.